Est-ce que ça va? Ce que nous voulions, c'était créer un monde meilleur. J'ai choisi d'utiliser la science et les réunions. Jessica, elle voulait se battre. Joyeux anniversaire, maman. Tu as vraiment une belle âme, Lucie. Tout comme ta mère. Malheureusement, c'est ça qui l'a tuée. Ils nous attendaient, quelqu'un les a prévenus, on annule tout! Baker, on annule! Lucie, tu connaîtras un monde meilleur. Ta mère a dû... Elle est morte pour ses convictions. C'était ma petite sœur. Elle me manque tellement. Ta mère, elle était très courageuse. Comme son ami. Allez. Avec un tas de cadavres qu'on peut faire autant de blé. Détends-toi. Elle est épatante. Dans quoi on vient de se fourrer? Avec ce qu'elle raque, tout ce qu'elle peut souhaiter, mec. J'ai jamais vu ce genre de merde. Elle prévoit une bataille. Plutôt une guerre. Impulsion visuelle. Et portable. Putain. J'envisage bien plus que de simples batailles. Je vous ai réunis ici pour changer le monde. Vous pensez à quoi? Bienvenue dans l'immersion. Ton instructeur a été activé. Ces méthodes peu conventionnelles sont souvent contrastées. Mais si tu veux rester en vie... Mason, t'as intérêt à avoir une bonne raison. M'a réveillé. Sergent Frank Woods, t'as vraiment une sale gueule. C'est tout dans ta tête, Mason. Dans la vraie vie, je suis mignon. Bon, allez, casse-toi d'ici, je m'en occupe. On se voit plus tard. Ok, comme elle l'a dit, mon nom, c'est Woods. Un ami de la famille. Et si tu sais pas qui je suis, bah, c'est con. Mais t'inquiète, ça va pas durer. Voilà le topo, soldat. Tu débarques là, et t'as tout un choix d'équipement avec des armes bien spéciales. Je te formerai... bien comme il faut. Alors, sinon tu te sens en veine, et tu veux bastonner direct. Pas de soucis. Choisis immersion de combat. Et mesure-toi aux bottes en multijoueur. Soldat, fais ton choix. De toute façon, je veille au grain. Hé, quoi? C'est Ajax ton nom de code? Vous avez fumé tes parents? La grenade flash, plus t'attends pour la lancer, plus t'auras d'explosion. Elle aveugle et étourdit l'ennemi. Ton bouclier balistique a son propre emplacement d'arme et peut s'étendre pour te couvrir. C'est du très lourd. La technique et l'expérience augmentent tes chances de survie, Ajax. Pour le peuple! Entrez chez vous. D'autres, par ici.
et mettez-vous à terre. À ouvrir le feu. Prends les trucs et c'est tout! Vous êtes pas obligé de faire ça! T'es avec nous ou avec lui? Va chier! Est-ce que t'es avec lui? Je suis pas avec toi! Ce fumier aura qu'à crever avec eux. Léa Bloch, ton nom de code, c'est Patrie. La machine de guerre lance des grenades rebondissantes. Rien de tel contre les ennemis qui sont flanqués. La grenade à dispersion se colle à une surface. Et quand l'explosion se déclenche, ça fait tout plein de bébés grenades. C'est un fait, soldat. Plus on s'entraîne, plus on progresse. Allez, on s'y remet. Avec Jessica. Je dois savoir comment elle est morte. Si jamais elle sombre, on peut même pas être certain qu'elle reviendra un jour. Dangereux. Elle est faible. Elle risque d'y passer. Si elle meurt, alors on la ramène. On la requinque. On sait le faire. Pareil pour toi. Tu peux le faire. T'as l'air pensif. Ça fait deux fois cette année. Qu'est-ce qui t'arrive? Hey. Walsh, ça va pas? Ce soir-là, quelque chose clochait. Quel soir? Tu sais bien. Hé hey mec, Crash, c'est pas juste un nom de code, c'est une façon d'être. Le TAC 5 guérit et augmente la santé maximale de toutes les squads. Le pack d'assaut remplit les stocks de munitions. Crash a plus de santé et de munitions, mon gros. Alors forcément, il adore en découdre. Tapis. Dans ta gueule. Ma... branleur. J'espère que t'as mon blé, enfoiré. J'ai merdé. J'ai que dalle. Faut dire que la dernière main t'a coûté gros. Recule, connard! Il vit ou tu meurs. On part se promener. Faudrait voir à le tenir un peu. Ah! Ah! T'en es très bien sorti. Tiens, en guise de remerciement. Laisse-moi te donner un conseil d'ami, mon pote. Moins de poker, plus de soins. Tu tournes vraiment pas rond, toi, dans ta tête. C'est ce dont on a toujours rêvé. J'ai des partenaires dans le monde entier. On est prêts. C'est moi qui l'ai réalisé. Moi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est fini. Je ne te laisserai pas faire ça. Tu pètes le feu, alors ton nom de code, c'est Firebreak. Le purificateur est un lance-flamme. Au menu, c'est brochette d'ennemis version carbonisée. Le noyau de réacteur émet des radiations mortelles même à travers les murs. T'en veux du blocage de zone? En voilà du bon. Faut que tu le prennes bien en main.
Sinon, tout risque de partir en fumée. Pourquoi on est encore en vie? On était exposés. Ils ont cessé le feu, et ensuite, bam, bam! Et puis, plus rien. Tu vas rigoler, ton nom de code c'est Nomad. Des mines en série, relisant quelques-unes et voilà un périmètre défensif en un clin d'œil. Juno, unité canine d'attaque. Elle surveille tes arrières ou un point précis. Corias, le Kleps. Des chiens et des bombes à dispo. Eh ben dis donc, l'ennemi a vraiment aucune chance. Le voilà, là-bas! Tiens, qu'est-ce qu'on a là? Merde, il est passé où? Tu l'as sans doute touché, abruti. Je t'ai dit de viser bas. Putain, il faut qu'on se tire de là. Mendoza. T'avoue, c'était toi, évidemment. C'est un coup monté. J'avais pas le choix, tu sais. On a toujours le choix. Bien. Je peux faire de lui le meilleur soldat au monde. Ça n'aurait jamais dû arriver. Hé, hey, toi, prophète, c'est vraiment biblique comme nom. Tempête, électrocute l'ennemi au contact, puis fait griller ses petits copains. La mine chercheuse électrique trouve l'ennemi le plus proche et le paralyse au contact. Ça, c'est joli. Faut être économe dans la vie. Plusieurs morts d'un coup. Je crois qu'on a quelqu'un, madame. T'es pas humain. J'étais pas dedans. Je n'ai jamais vu son pareil. Eh bien, je peux faire de lui le meilleur soldat au monde. Il y a 2 ans. Pourquoi? Pourquoi t'as gardé ça pour toi? Appuie sur play. Écoutez-moi de manière attentive. Rick
Silicon. Eh ouais, c'est bien ton nom de code. Où qu'il soit, le détecteur permet de révéler les mouvements des forces ennemies. L'impulsion visuelle révèle la position de l'ennemi, à toi-même et à ton escouade. C'est pratique pour mener une attaque surprise en tenaille. Ton boulot, c'est la reco. La reco, c'est la connaissance, donc le pouvoir. Le VIP est en route. Localise et vise les piliers à l'ouest de la place. Contact. Homme blanc, la trentaine. Il parle à une famille. Il tient un truc dans la main droite. Merde. Fais chier. Au moins un des civils porte un gilet. Fais quelque chose. Il y a un enfant dans l'eau. Repère et attaque toutes les cibles. Foutue connerie. Je tire. Cible à terre. Je tire. Cible à terre. Trouve l'enfant. Tire-lui dessus. Je peux pas. C'est un enfant. Protège le VIP. Je tire. Cible à terre. Bien joué, soldat. Tu me remercies pour ça? Vas-y, regarde. C'était un test, Kimura. Et tu l'as réussi. Démonte ton fusil et range-le. Je dois te présenter quelqu'un. Hey mec, ton nom de code, c'est Ruine. Avec le fusil à grappin, tu deviens Tarzan. Tu peux rapidement traverser l'environnement. Un choc gravitationnel réussi élimine tous les ennemis qui se trouvent dans son rayon d'explosion. Un nom aussi bourrin que le mec qui va avec. Maintenant, ça va saigner. Sur ma position. Cette région ne connaît rien d'autre que la NRC depuis un an. On va changer ça. Contact! À 3 heures! Premier étage! Perdu. Ils sont morts. Ils sont terminés. Monsieur, là-haut! On suit les ordres, Walsh. On dégage de Struara et on rejoint le commandement. À sa place, vous voudriez pas qu'on vienne vous récupérer? On n'abandonne personne. Ça suffit, soldat! Il va y avoir des conséquences. J'en ai strictement rien à foutre. Merci du coup de main, soldat. Y'a pas de quoi. Beau lancer, Baker. Y'a rien de tel qu'une bonne frappe pour mettre le bazar. Allez, on se tire avant que ça commence à chauffer. Écoutez-moi de manière attentive. Faites attention. Oubliez tout ce que vous croyez savoir. Ton nom de code, c'est Seraph. L'annihilateur tire des balles de gros calibre à pénétration améliorée. Un revolver des plus dévastateurs. On place une balise tactique où on veut et notre escouade se redéploie à cet endroit. Ouais, sympa. Tu déploies une balise tactique en territoire ennemi et tu finis le boulot au canon à main. Et t'y retournes si besoin. Es-tu prête à devenir exécutrice?
ralentir l'ennemi. Le fil de fer barbelé. Y'a que ça de vrai, mon chou, depuis la Grande Guerre. La barricade se déploie sur le même principe que le fil barbelé, mais avec des micro-ondes. Un grille-pain spécial humain. Yam. Un outil incontournable. Le célèbre caporal Kieran McKay. Ouais, c'est moi. Sacré dossier. Multiples recommandations en matière d'ingénierie, mais aussi sanctions pour insubordination, refus d'obéir et destruction de biens appartenant à l'armée. Eh ben, je suis parfois impulsif. Je vois ici que vous avez pris 3 semaines pour avoir envoyé votre supérieur à l'hôpital. Vous me mettez au parfum ? Il y avait des bleus à la main, ça fait à peine 3 jours qu'ils étaient là. Et ils foirent l'inspection surprise. Cette espèce de débordé a décidé que le meilleur moyen de punir, c'était de pousser à l'épuisement. Résultat, il y en a 2 qui ont fini en hypothermie. Alors j'ai décidé de lui rendre la monnaie de sa pièce. Je lui ai administré une bonne dose du laxatif le plus puissant que j'ai pu dégoter à l'infirmerie. Ce sale enfoiré a beaucoup cavalé ce soir-là. Les petites brutes m'horripilent. Caporal McKay, j'ai un arrangement à vous proposer qui devrait être bénéfique pour vous comme pour moi. Un pion dans le jeu de quelqu'un d'autre. Mais qu'est-ce qui se passe? Je t'envoie l'adresse d'une planque fiable. Fais bien gaffe aux filatures. Aucun signe des spécialistes. Est-ce qu'ils sont encore en vie? Mais qui veut notre mort? Ils s'amusent à te manipuler. Ils t'observent, exploitent tes talents. Et quand ils obtiennent ce qu'ils voulaient, ils t'abandonnent à ton sort. Jessica? Tu... Comment? Tout seul, on peut mener un combat. Mais ensemble, on peut entamer une guerre. Oh, ça pue. L'Angola. Désolé. Non. C'est toi dans la boîte. Depuis le début. Vorkuta. Te bile pas, va.